Salut mes petits loulous. Je suis un petit peu à la bourre là. Mon grand frère arrive tout à l'heure pour manger ensemble des tartines avant que nous nous préparions pour mettre notre costume d'Halloween. Et mon frère croit que nous allons manger des tartines toutes simples, mais je veux le surprendre avec quelque chose de très spécial. Vous savez, il joue au gros dur, mais en secret, il a une trouille des araignées. Alors moi, je lui fais de délicieuses tartines araignées. Elles sont géniales, hein? Et en plus, c'est facile comme tout, hein? La seule chose dont tu as besoin, ce sont des délicieuses tartines comme celle-là. Ah, moi, je les ai cuites moi-même, hein? Après, il te faut un verre, pouf, pour découper les petits ronds, comme ça. Du fromage frais, des raisins pour les petits yeux. Pour la langue, du jambon. Et il ne faut pas oublier les délicieuses pâtes d'araignée avec des petites carottes ou du poivron, ce que tu veux. Tu sais que les araignées ont 8 pattes, non pas 6, comme le pensent beaucoup, ah, c'est pas plus mal, hein, parce que ça fait plus de pâtes pour se régaler. Et voilà, mes délicieuses tartines araignées sont prêtes. Il n'y a plus qu'à attendre mon frère. Vous voulez aussi en manger? Mais pas des vrais, évidemment, hein, des tartines araignées, pas des vraies araignées. Eh bien, vous allez sur le site web studio100.com/tv. Vous y retrouvez cette recette pour la déguster chez vous. J'adore.